Pie. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les techniques de roue. Et donc du coup pour le premier aller entre 0 et 100, le deuxième entre 0 et 200, pour le troisième entre 0 et 300, et pour le quatrième entre 0 et 400. Donc du coup là on va voir pour comment taper des roues. Donc déjà bah... Donc du coup pour, un vélo vraiment bien, donc on se met au deuxième plateau et à la sixième vitesse. Bitume, donc le vélo c'est un bitume. Il tape vraiment bien des roues. Par contre il est très léger, c'est sûr. Et du coup. Alors juste pour dire une petite parenthèse, on va dire, voilà. Merci. Voilà. Alors, première étape, il faut bien déjà poser son plateau 2. Vitesse 6 sur un bitume, comme il a dit, sur moi je sur mon vélo. Donc celui qui a que vitesse 5, genre il se met bah, à la vitesse 3 ou 4 ou à la vitesse qu'il préfère. Au pire, il s'entraîne avec ta peau. Il reste sur plateau 2. Et genre, il essaie de se mettre. Il essaye toutes les vitesses, de la 1 à la 5. Et bref, il choisit celle qu'il veut. Et celle qu'il voit, il fait les roues le plus loin, et bien il reste sur cette vitesse. Ah non, ça peut être la 3, ça peut être la 3 ou la 4. Donc par exemple, si c'est la 4, bah, faut bien gérer le frein, ou alors si c'est 3, faut bien gérer le frein aussi. Voilà. J'ai pas dit, mais il l'a dit. Quand vous sentez que vous partez prêt à vous retourner, prêt en arrière, tout de suite, vous mettez un petit coup de frein arrière. Ça va rabattre un petit peu le vélo. En fait, ça va leur faire se remettre normal sur les roues, en fait. Et vous mettez un petit coup de vitesse, et seulement après, vous remettez un coup de pédale pour bien reprendre le régime. Ça, c'est comme une moto, en fait. Je pense qu'il y en a, ils font un peu de ladeur. Mais genre quand vous tapez des roues, genre vous partez en arrière, vous mettez un coup de frein pour gérer. Pour ça, des fois ils mettent un peu des à-coups d'accélérateur pour bien gérer, tu vois. Vous voyez. Et là, je vais passer la caméra à quelqu'un. Voilà, à quelqu'un, j'allais dire. Et après, il va vous filmer comment faire des roues. Vas-y. Je lui laisse et on fait tout de suite la vidéo. Et donc du coup, bah là, on va voir le pilote pour taper des roues. Comme je vous l'ai dit, pour le premier aller, entre 1 et 100. Pour le deuxième, entre 0 et 200. Pour le troisième, entre 0 et 300. Et pour le quatrième, entre 0 et 400. Et tout ça, vous dites dans les commentaires. Allez. Il burn hein, dès le début, mais c'est magnifique. Oh là là, comme il gère. Oh il gère sa mère. Et le petit dérapage pour la fin, c'est magnifique. Oh. Le troisième, entre 0 et 300. Abonnez-vous, laissez